Chakaparata Kinduso, la présence de Dieu est ici. Hé hey, hé hey. Oh hey. Ah, Jesus! Jesus! Attouchement, je recevrai l'huile de l'ancien. Je recevrai l'huile de l'onction dans tout mon être. Continue à chanter. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant papa. Dans les combats, Jéhovah est ton nom. Ton nom, pas son nom. Tu es seul avec lui, ton nom. Chisakabarata Kindoso, la présence de Dieu est ici. Hé hé! Oh! Hey. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. On continue, on reste jusqu'à minuit ici. Puissant guerrier, Jéhovah est ton nom. El Shaddai, El Shaddai, puissant guerrier, puissant guerrier, puissant
C'est écrit ici dans mon cahier de vie. Ceux qui vont être la couille d'Aïe. Ceux qui ont déjà un ministère prophétique, mais ils ne savent pas dans quel domaine où Dieu veut. Écoute d'abord. Conquérant vainqueur pour le salut. Dieu va te donner des révélations spéciales. Écoute-moi d'abord. C'est par là qu'on va terminer. Deuxièmement, des contempleurs, des prophètes, contempleurs, pour amener le réveil dans les églises. Ça, c'est Ézéchiel. Dieu a préparé des gens ici ce soir. Que je te touche ou pas, c'est pas important. Si tu crois, quand je vais prier, si tu crois là, tu vas voir. Troisième groupe de gens. Il m'a décrit conquérant, vainqueur, quoi. Viens lire. Qu'est-ce que c'est décrit conquérant, vainqueur, quoi? Conquérant, vainqueur, évangélisateur. Ah, est-ce qu'il a dit évangéliste? Non, conquérant, vainqueur, évangélisateur. Troisième catégorie. C'est pourquoi Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ce soir, je te dis, si Dieu est réel, et il l'est, si toi tu dis, je veux passer à ce niveau de... C'est-à-dire que, comme un prophète, c'est pas un ministère. Il y a des prophètes qui sont là. Mais toi-même, tu es un simple chrétien là. Tu veux être un conquérant, vainqueur, contemplateur. C'est-à-dire, quand tu vas aller prier Dieu, Dieu va révéler dans ton église locale là ce qu'il veut faire. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, tu as ton carnet, tu pries et régulièrement, tu vas voir les résultats. Si ce n'est pas ça, évangélisateur, pas évangéliste, il y a déjà des évangélistes ministères. Mais toi, tu es un chrétien ordinaire. Tu veux être un conquérant, vainqueur, évangélisateur. Tu vas voir, tu seras étonné. Jeune fille du lycée, de l'université, tu seras étonné de voir comment les gens vont se convertir. Tu dis, mais pourtant, ça fait 3 ans, je n'arrive pas. Mais pourquoi maintenant? Parce que ce soir-là, tu as décidé de... C'est un engagement, hein? Quatrième, conquérant, vainqueur, intercesseur. Dieu veut lever une armée d'intercesseurs. Il y a beaucoup d'intercesseurs qui intercèdent déjà. Mais des intercesseurs comme Habakkuk,
Dieu va leur donner des choses bien claires. Il dit, écris cette prophétie-là, cette révélation-là, cette prophétie-là, écris ça. Tu seras dans ce groupe de conquérants, vainqueurs, intercesseurs. Ce sont des groupes, ces quatre groupes-là qu'il m'a donné. Ferme tes yeux ce soir. Toi qui as la télévision, même chose. Ça peut t'atteindre partout. Réseaux sociaux, même chose. Enfant de Dieu. Dieu te dit ce soir, avant que cette conférence se termine, ne reste pas où Ésaïe était resté. Progresse comme Ézéchiel. Il a eu tellement de rencontres avec Dieu que quand il a vu le peuple mort comme des ossements secs, Dieu l'a amené à faire ce réveil-là. Et ce Dieu n'a pas encore changé. Il est toujours là. Le Dieu d'Ésaïe n'a pas changé. Écoute-moi, enfant de Dieu, il faut bien ouvrir. Il ne faut pas avoir peur. Le Dieu d'Ésaïe n'a pas changé. Il veut te révéler qui il est, comment il travaille, comment il fait le salut. Le Dieu d'Ézéchiel n'a pas changé. Non. Le Dieu de Habakkouk n'a pas changé. Non. Le Dieu de Philippe qui a bouleversé Samarie, Paul qui a bouleversé Éphèse, n'a pas changé. Mais dit, il te pose la question. Qui va aller? Qui ira pour nous? Il n'a pas dit de quitter d'abord ton travail pour aller. Non! Pendant 14 ans, j'ai travaillé et je faisais ces choses-là. Dieu veut ton cœur ce soir. Ne regarde pas ton âge. Non. Alors, si toi, tu veux ça, c'est une décision. Tu vas poser ta main droite sur ton cœur et tu lèves la main gauche si tu le veux vraiment. C'est pas amusement. On est dans une phase de conquérant vainqueur. Moi, je vais prier. Mais tu as entendu, je te répète les quatre catégories encore. Conquérant vainqueur pour le salut, comme Ésaïe. Conquérant vainqueur contemplateur, comme Ézéchiel. Conquérant vainqueur et dans évangélisateur, comme Philippe, qui était un simple laïc, et plus tard Paul. Conquérant vainqueur, donc intercesseur, comme Habakkouk. Il n'est pas dit que tu es prophète. Il y a des gens qui sont prophètes déjà. Eux aussi, ils prient, ils vont voir que Dieu leur a dit, « Ah, je suis prophète pour tel domaine. Moi, je croyais que c'était tel autre domaine. » Tu pries doucement avec moi, tout doucement, c'est pas fort. Dis avec moi, « Seigneur, ce soir, j'ai décidé de répondre à ton appel pour être un conquérant vainqueur. Dis-le demain toi-même. Dans quel domaine? Dis-le. Si tu as dit cela, tu continues avec moi. Je sais que tu m'as entendu. Comment ça va se passer? Je ne le sais pas. Mais j'ai confiance, Seigneur, que cela va se passer. Bah, j'ai décidé d'être fidèle à toi, à ta parole, de marcher avec toi. C'est pourquoi ce soir, je te remercie parce que tu l'as fait, tu l'as accompli. À partir d'aujourd'hui, hein, sur ma vie, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans l'église locale, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. J'ai confiance que toi qui as utilisé les Habakkouk et les Philippe, les Paul, les Ézéchiel,
les Esaïe, qui ne sont pas supérieurs à moi. Tu es le même Dieu qui n'a pas changé. Et ce soir, je vais quitter cette salle-là avec la certitude que non seulement tu es avec moi, tu veilles sur ce que j'ai dit, tu m'accompagnes, tu me guides, et je sais que la victoire est de mon côté. Merci Père, sois béni, sois loué, sois glorifié pour tous tes bienfaits, que toute la gloire, l'honneur et la louange soient à toi seul. Amen. Ne prie pas, ne fais plus rien. Excellent Père, c'est toi qui as dit qui? Ils ont répondu moi. Et comme Esaïe a répondu moi, tu lui as révélé des choses extraordinaires qui dépassaient son entendement. Mais ici, tu as plus qu'Esaïe devant toi. Tu as tes enfants, tes propres enfants en Christ, nés de nouveau. Et ils sont ton temple. Le Saint-Esprit habite en eux. Ce soir, ici, comme à la télé, comme aux réseaux sociaux, ils ont dit qu'eux aussi, ils croient et qu'ils veulent aller en tant que conquérant vainqueur du salut, conquérant vainqueur de l'évangélisation, conquérant vainqueur contemplateur, conquérant vainqueur Seigneur de l'intercession. Ils ont dit cela. Tu es le Dieu qui répond toujours à la prière. Nous te disons merci que tout ce peuple-là, partout à travers le monde, ceux qui ont fait cette prière-là, que nous puissions voir ensemble, dès maintenant, dans l'année nouvelle 2025 et les autres années qui viennent là, la réalisation, la manifestation de tout ce qu'ils ont dit, que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà, on va arrêter ce soir. Bon, on ne va pas dépasser ça parce que je crois que c'est bon. Même si on voulait prier, c'est bon comme ça. Bon, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait les choses. Donc, mes deux matins, on a deux sessions. Une session, on va commencer un peu plus tôt. J'ai vu que quand j'étais à 9h30, quand j'ouvre la télévision, je vois, c'est à ce moment-là qu'on prie. Pour permettre à ceux qui conduisent la prière de prier assez tôt. Je crois qu'ils vont commencer la prière vers 8h. Ou 8h, ils vont prier. Donc à 9h, tâchons d'être là. De 9h. Donc c'est la première session. Et la deuxième session va aller à 11h. Pour permettre de finir ça. Donc maintenant, ceux qui sont venus dans des provinces, ou certains qui voyagent, quand on va finir les deux sessions, donc ceux qui peuvent aller à Bobo, ils peuvent arriver avant que la nuit ne tombe ou bien ailleurs. Mais s'ils veulent, ils peuvent rester, mais c'est ça. Et pour que on continue le soir ensemble. Voilà, donc le soir encore, on va continuer les prières. Peut-être pas sous cette forme-là, peut-être pour la guérison ou autre chose, délivrance et tout. Bon, ça sera le samedi soir. Bon, on verra si c'est confirmé demain matin par le Seigneur. Voilà. Et le dimanche, maintenant, il y aura un culte. Et puis le grand concert. Le grand concert qui sera animé par Steve Cramble, comme j'ai dit. Mais moi, j'ai confiance que Dieu a des grandes choses pour vous. Non, ça ne peut pas me quitter. Quand je dis non, Dieu dit, c'est mon peuple. Continue à les encourager. Même si tu les rabroues là, continue à leur dire que je les aime, que je vais les utiliser,
C'est pas leur faiblesse que je regarde. Ça, c'est Karambiri Mamadou qui est dur comme ça. Mais Papa Bon Dieu, elle n'est pas comme ça. Il ne vous juge pas. Ça, c'est Papa qui veut que ses enfants soient excellents. C'est simplement ça. C'est un petit orgueil de Papa. Pas Papa Bon Dieu, hein? Non. Vous comprenez? Parfois, quand je bouscule comme ça, là, c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour que vous allez de l'avant. Sinon, quand je sors comme ça, là, je suis fier de vous. Les gens disent, mais tes enfants là, ah, il dit, ah, ce sont mes enfants. Mais quand je suis devant vous, je ne vais pas te dire tout le temps, mention très bien. Tu vas baisser les bras. Oui ou non? Ma fille Kabore. Faut te bousculer. Hein? Tu es dans les mains de mon fils là, puis faut te bousculer. Hein? Hein? Voilà. Donc j'ai confiance. Hein? N'aie pas peur de quelqu'un. N'aie pas peur des yeux rouges de quelqu'un. Personne ne peut rien te faire. Tu es à la bonne place. Bon endroit, bonne main. Quand tu vas arriver, tu vas faire vie de ma part. Hein. Voilà, excellent père. Merci pour ton peuple. Vraiment, je suis très content. Et donc, bon, ceux qui ont des mariages, il y a beaucoup de mariages demain. On ne peut pas vous empêcher d'aller au mariage. Hein. Il faut aller faire service, il n'y a aucun problème. Ne vous dérangez pas. Si vous devez aller quelque part dans une famille, allez-y. Voilà. On se reverra le soir. Voilà. Que le Seigneur vous accompagne. Sa grâce soit avec vous. Qu'il vous dirige et vous dit au nom de Jésus. Allez en paix. À demain par la grâce de Dieu.